Je suis mère de garçon, je n'ai pas de fait de fille. Mais toute ma vie durant, je me bats pour que la femme soit ce qu'elle devrait être dans la société. Karimou Rafiatou a été une femme dont le parcours force l'admiration. Après les études primaires, secondaires et supérieures, elle eut une brillante carrière politique. Première femme ministre, deux fois députée à l'Assemblée nationale, Karimou Rafiatou a lancé en 2003, en collaboration avec l'UNICEF, le slogan « Toutes les filles à l'école ». Pour cette Amazone, une femme qui réussit est un modèle à dupliquer sur plusieurs générations. Les témoignages de ses amis et proches sont empreints d'émotion. Rafiatou, l'association Les Perles du Nord tisse la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Elle a offert les prix d'excellence Rafiatou Karimou pour la jeune fille scolaire aux meilleures candidates au CEP et au BEPC 2019 dans les 12 départements du Bénin. Les Perles du Nord poursuivent trois objectifs. Le premier objectif est de soutenir l'éducation des enfants, en particulier celle des filles. Le second objectif est d'accompagner les populations dans la lutte contre la réduction de la pauvreté. Et le troisième objectif, c'est de contribuer à la résilience des communautés face aux défis du changement climatique. Les filles semblent déjà mesurer leurs responsabilités. Vous venez d'ouvrir nos yeux et de nous mettre devant nos responsabilités et notre dévouement à défendre, promouvoir et pérenniser le mérite de la gente féminine béninoise. À travers la présentation de sa biographie, notre regrettée mère, l'Amazone, Feu Rafiatou Karimou, reste une école où nous venons d'être inscrites. Nous permettons d'y être de bonnes élèves. Pour finir, nous saisissons cette aubaine pour dire toute notre reconnaissance au gouvernement de notre pays et à son chef, le président Patrice Athanase Guillaume Talon, pour l'attention particulière dont nous avons bénéficié il y a quelques mois. Nous nous sommes arrêtés au CEP et au BPC juste parce que nous avons un programme d'accompagnement après qui va accompagner ces filles à travers des camps de formation pendant les vacances sur le militantisme féminin, des formations dans les filières scientifiques et beaucoup d'autres programmes que nous allons essayer de mettre en œuvre pour accompagner ces filles afin d'avoir des femmes cadre et à la fois militante. Le message que nous voulons véhiculer, il est unique. C'est-à-dire que les filles puissent rester à l'école, puissent étudier, puissent terminer leur cursus scolaire. Karimou Rafiatou est un modèle qui sait se donner, qui sait se battre pour les autres. Il faut que toutes les femmes aussi en fassent autant. C'est en cela qu'elles mériteront d'être davantage donc des perles du Bénin. La flamme de la combativité et de l'excellence allumée par les Perles du Nord restera à jamais vive dans le cœur de ces jeunes filles, de probables futurs. Karimou Rafiatou.